Dieu, viens à mon aide. Exalte, Seigneur, tu m'as relevé, tu m'épargnes les rires de l'ennemi. Quand j'ai crié vers toi, Seigneur, mon Dieu, tu m'as guéri. Seigneur, tu m'as fait remonter de l'abîme et revivre
Pour moi, mon
De la première lettre de Saint Pierre apôtre. Frères, tressaillez de joie, même s'il faut que vous soyez attristés pour un peu de temps encore par toutes sortes d'épreuves. Elles vérifieront la qualité de votre foi, qui est bien plus précieuse que l'or, cet or voué à disparaître et qu'on vérifie par le feu. Tout cela doit donner à Dieu louange, gloire et honneur quand se révélera Jésus le Christ, lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, et vous tressaillez d'une joie inexprimable qui vous transfigure, car vous allez obtenir votre salut qui est l'aboutissement de votre foi.
Par la force de son bras, le Seigneur relève les humbles. Dieu est notre espérance, il est notre secours, supplions-le. Notre Dieu, tu as scellé avec ton peuple une alliance éternelle. Fais revivre en nous les merveilles de ton amour. Devant la violence des vents contraires, que le souffle de ton esprit fortifie les croyants. Que la cité terrestre ne cherche pas à s'édifier sans toi, et ceux qui la construisent n'auront pas travaillé en vain. Regarde, Seigneur, tes enfants. Que la fidélité soutienne ceux qui luttent, que notre amitié pacifie ceux qui souffrent. Que nos frères défunts entrent au nombre des bienheureux, qu'un jour ils nous accueillent dans ton paradis. Regarde, Seigneur, tes enfants. Notre Père, qui es au ciel,
Prions le Seigneur. Dieu qui fait resplendir la lumière après la nuit, accorde-nous de finir ce jour à l'abri des attaques de l'adversaire et de pouvoir te rendre grâce par notre Seigneur Jésus-Christ, ton Fils et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Que Dieu Tout-Puissant vous garde dans toute sa bonté, vous les fidèles à la cathédrale et les téléspectateurs du Catéo. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Bénissons le Seigneur.